Je travaillais notamment pour M6, pour Golden Moustache, qui a plusieurs millions d'abonnés sur YouTube, et avec des influenceurs. Et mon objectif, c'est de les aider avec leurs très grosses chaînes à monétiser au mieux, par exemple sur YouTube, à faire des partenariats. Tu nous as parlé de plusieurs clients, notamment une marque de smartphone chinoise, c'est ça, je me trompe? Oui, c'est ça. Accor Hotel, donc ce sont des grands noms. On veut savoir comment trouves-tu tous ces clients? Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois Emmanuelle Patry, fondatrice de Social Media Lab, spécialiste de la formation réseaux sociaux. Bonjour Lilian et merci de m'accueillir dans ton podcast. Avec plaisir Emmanuelle, comment vas-tu? Eh bien écoute, très bien, c'est le début de l'année, c'est le moment de planifier, etc. J'adore ce moment d'orga. Tu t'organises par rapport à quoi? C'est quoi les objectifs pour toi cette année? Alors moi, si tu veux, je développe beaucoup justement mon activité de formatrice et du coup, j'organise un peu toutes les sessions de l'année. J'organise un peu tout ce que je vais faire, les différents lancements, etc. Et l'objectif, si tu veux, c'est de continuer voilà à développer la formation qui aujourd'hui représente, si tu veux, la moitié de mon chiffre d'affaires. Et l'objectif en fin d'année, c'est que ce soit plus. Ouais. Intéressant. Je pense que j'aurais quelques questions là-dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Okay. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, ton parcours, d'accord, etc. Alors moi, je suis consultante et formatrice en stratégie social media et je suis spécialisée en analyse de données. Donc mon métier, si tu veux, c'est d'accompagner les entreprises, en particulier les grands comptes et les startups qui ont des gros objectifs sur les réseaux sociaux pour analyser leurs données et leur dire exactement ce qu'ils doivent faire en fonction de ce qu'ils ont déjà. Parce qu'en général, ils ont besoin de structurer. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 8 ans dans les médias, dans le secteur du marketing numérique. Je travaillais notamment pour M6, pour Golden Moustache, qui a plusieurs millions d'abonnés sur YouTube, et avec des influenceurs. Et mon objectif, c'est de les aider avec leurs très grosses chaînes à monétiser au mieux, par exemple, sur YouTube, à faire des partenariats, à optimiser leurs stats, etc. Voilà. Un petit peu mon parcours. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué dans cette expérience-là, notamment sur les métriques clés qui sont particulièrement regardées par les annonceurs? Quelles sont les petites choses que tu pourrais nous partager à ce niveau-là? Alors, en fait, quand tu travailles avec des grands comptes, avec des grandes marques, eux, leur objectif sur les réseaux sociaux, sur le digital en général, c'est beaucoup la notoriété. Leur but, c'est vraiment de faire en sorte que les gens mémorisent leur marque, qu'ils les découvrent aussi, en particulier le jeune public, parce que voilà, ils utilisent beaucoup aussi les réseaux sociaux pour en fait toucher un plus jeune public. Donc, ils vont avoir des KPI de notoriété. Après, si tu regardes des plus petites boîtes, eux, leurs objectifs, ça va plus être vraiment de créer des communautés, de les engager pour convertir, donc pour avoir des ventes, pour faire du trafic sur leur site. Mais moi, je pense que dans les deux cas, c'est un peu des erreurs parce que il faut vraiment regarder l'ensemble du parcours client. Donc, regarder les KPIs de notoriété, par exemple le reach sur Facebook, par exemple, les KPIs d'engagement. Donc, combien d'interactions tu vas avoir et les KPIs de conversion. Donc, pour moi, c'est vraiment un parcours complet. Et justement, je pense que les gros annonceurs ont l'habitude de la télé. Donc, il faut aussi les éduquer sur les KPIs. C'est mon métier, du coup. Donc, tu as une activité, tu nous disais un peu plus tôt, de freelance, de prestation de service par opposition à la formation. C'est pour ça que je dis prestation de service, même si ça peut rentrer dans... Mais aujourd'hui, sur cette partie-là, qui sont tes clients? Alors, sur ma partie vraiment prestation de service, donc analyse de données, mes clients, c'est plutôt des grands comptes ou des boîtes internationales, parfois même des boîtes étrangères qui ont besoin d'analystes français. Donc, par exemple, j'ai travaillé toute l'année dernière pour une marque qui s'appelle Oppo, qui est une marque de smartphone, qui est une marque chinoise et qui a voulu se développer en France, qui ont énormément de contenu sur les réseaux sociaux, beaucoup, qui font beaucoup de choses et ils ont besoin, en fait, si tu veux, d'avoir une vision très claire, de savoir
si leurs investissements, ils leur rapportent, si ça marche, s'ils sont visibles, ce qu'ils devraient améliorer. Donc, par exemple, pour te donner un cas concret, je faisais tous les mois un gros bilan de toutes leurs données. Et on automatisait aussi, si tu veux, juste le reporting de données pour que vraiment on ait les chiffres, etc. Mais moi, je faisais de l'analyse en plus sur toutes leurs données. Donc, c'est un peu ce genre de travail que je fais en prestation de service. Je fais aussi ce qu'on appelle du social listening. Donc, ça veut dire que ça va être de l'écoute sur les réseaux sociaux. Donc, je vais regarder en fait ce qu'on dit sur une marque sur les réseaux sociaux. J'ai travaillé l'année dernière pour le groupe Accor, où en fait j'analysais un peu ce qui se disait sur leurs hôtels, sur les lancements, avec un outil qui est incroyable qui s'appelle Sprinklr. Voilà. Donc, c'est un peu le type de mission que je fais en prestation service. Qu'est-ce que cet outil te permet de faire exactement ? Alors l'outil, donc là on parle de Sprinklr, ça me permet en fait de créer des dashboards complètement automatisés avec le nombre de mentions de la marque, le nombre de hashtags qu'il y a sur la marque, les ambassadeurs, c'est-à-dire les personnes qui vont parler le plus de la marque et ce qu'ils vont dire, les détracteurs, donc les gens qui vont critiquer. Tu vas avoir aussi les zones géographiques, sur quels réseaux sociaux ils ont discuté, le sentiment général. Et puis après, tu peux filtrer, tu vois, tu peux faire des recherches par hashtag précise, tu lances une OP précise, etc. Du coup, ça te permet de voir un petit peu exactement ce que ça a donné si tu as travaillé avec un influenceur, combien ça t'a généré de reach précisément, sans avoir à lui demander accéder à ses stats. Tu peux avoir vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et du coup, c'est des outils qui sont extrêmement puissants. Et le rôle d'un analyste, ça va être de, voilà, de savoir comment bien utiliser l'outil par rapport aux problématiques du client, en fait. Donc, parce que l'outil en soi, c'est une Rolls Royce, tu peux faire plein de trucs. Les influenceurs aujourd'hui, ils ne proposent pas dans leurs prestations ce genre de feedback, d'analyse, etc. Parce que ça me semble très pertinent. J'imagine que, alors si j'étais influenceur, je le suis d'ailleurs, dans une certaine mesure, puisque j'ai un partenariat avec, avec Number notamment, je proposerai toujours un système de tracking pour savoir quel est l'impact. Déjà, je demande quand on propose ce genre de deal, c'est OK, tu veux que je te mette en avant, mais pourquoi? Et je creuse le pourquoi, je vais le poser le nombre de fois qu'il faut pour qu'à la fin ils me disent je veux gagner plus d'argent. Parce que c'est généralement l'objectif derrière, c'est de générer du chiffre d'affaires, quoi. Alors, en tout cas pour une entreprise. Et à partir de là, je dis OK, comment est-ce qu'on va objectiver? Ben, c'est par rapport à cette métrique argent. Et derrière, on va mesurer, par exemple, le nombre de leads que j'ai envoyé à ce client-là. Et on va traquer tout ça pour que je puisse savoir si ce que je fais en tant qu'influenceur, ça a un impact ou non sur la prestation de mon client. Et je devine, puisque j'imagine que ton métier n'existerait peut-être pas, que les influenceurs ne le proposent pas systématiquement, ou en tout cas n'ont peut-être pas ton niveau d'expertise à toi, lorsqu'ils font des deals avec des marques. Ou peut-être que l'entreprise elle veut vérifier, enfin je sais pas, comment est-ce que tu vois cet aspect-là? Dans le cadre d'une collaboration avec un influenceur, en fait c'est assez spécifique. Enfin, c'est effectivement ça peut être une partie de mon métier, mais c'est vraiment une partie parce que moi, j'analyse les réseaux sociaux en général. Mais pour te répondre sur ça, les influenceurs le font quand on leur demande, si tu veux. Généralement, maintenant c'est un métier, c'est un vrai métier, donc en général ils le font. Mais il faut vraiment leur dire précisément ce qu'ils doivent faire. Donc il faut leur dire, voilà, par exemple, insère un lien traqué, crée le lien traqué, leur donner. Il faut vraiment les aiguiller. Ils vont pouvoir envoyer des stats et effectivement ça fait partie de leur métier et généralement ils le font. Mais si tu veux, ça arrive assez peu qu'ils fassent une analyse vraiment très précise de comment ça s'est passé, ce que ça a généré, le reach. Le chiffre d'affaires, puis ils n'ont pas forcément toutes les données. En plus, par exemple, les données de chiffre d'affaires, ils vont pas l'avoir. Donc, tu vois, c'est quand il y a, en général, ils ont des agents qui font plus ou moins bien ça, ou alors il y a des agences en général entre les marques et les influenceurs, donc on appelle les agents d'influenceurs qui font ce travail-là en fait. Et moi, si tu veux, ça a été mon travail pendant assez longtemps. Je travaillais pour M6, c'était une structure qui s'appelle Golden Network qui éditait du coup Golden Moustache, mais on faisait de l'influence marketing. Et mon rôle, c'était aussi d'aider, si tu veux, les chefs de projet à bien faire des reporting, à mettre tout ce qu'il fallait, à analyser les résultats, etc. Mais effectivement, c'est une partie en fait qui nécessite beaucoup de recul
Et pour un influenceur, c'est encore un autre métier, tu vois. Enfin, c'est pas un métier de créateur de contenu, c'est vraiment de l'analyse, c'est vraiment voir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Ça demande beaucoup de compétences marketing. Et à mon avis, c'est pas leur rôle de faire ça. Ils peuvent le faire de manière basique, etc. Mais ils ont pas tous les éléments, à mon avis. Voilà. Quand tu travaillais avec ces clients-là, donc ces grands groupes notamment, comment est-ce que tu fonctionnes? C'est quoi l'offre que tu leur vends? Alors, en fait, en général, moi, j'essaie vraiment de travailler sur le long terme, ou alors au moins sur plusieurs mois, pour avoir vraiment le temps, si tu veux, d'installer des choses et de pas juste faire un one shot et hop, ils appliquent ce que je dis, vraiment suivre ce qu'ils font et vraiment pouvoir les conseiller. Donc, en gros, si tu veux, soit j'ai une offre un petit peu one shot qui est juste un audit. Que je vends en fonction du nombre, en fait c'est en fonction du nombre de pages et de données que j'ai analysées, mais le prix de départ, si tu veux, c'est 1 500 €. Après ça peut aller jusqu'à 5 000 si jamais il y a vraiment beaucoup de pages, si c'est une marque internationale, etc. Et moi j'ai des process, donc je fais ça vraiment tout le temps, tu vois, donc et j'ai des outils. Donc ça va être l'audit, et après moi je vais vraiment aussi les suivre sur leur stratégie. Donc on fait soit on fait un bilan, voilà, tous les mois, comme je faisais avec Oppo, une analyse, etc. Soit ils ont vraiment besoin de revoir toute leur stratégie, et là je mixe aussi avec une approche formation où j'ai une offre où, si tu veux, je leur propose de créer ensemble leur stratégie en fonction des données, quoi. C'est vraiment ma signature par rapport à des consultants en stratégie qui, si tu veux, vont être plus créa, vont être plus dans une approche artistique ou autre. Alors, ce que j'entends, c'est que tu as une offre au forfait que tu vas vendre avec, pourquoi pas, un produit d'appel qui débuterait à 1 500 € pour une première analyse. Et derrière, en fonction des résultats que tu vas avoir, plutôt que d'emprunter la route de la création de contenu en leur disant, ben voilà, au vu de ce que j'ai analysé, voici les contenus qui seraient le plus pertinents, et moi je peux vous aider à les mettre en place parce que j'ai l'expérience pour le faire et que j'ai vu les points, etc. Toi, tu vas plutôt prendre la route de, je vais vous former à créer ces contenus-là en interne. C'est ça. Parce que pour moi, c'est une conviction assez profonde que le community management, il faut vraiment que ce soit une compétence interne. Donc tu peux faire appel à quelqu'un, etc., mais il faut aussi que les équipes elles progressent au global. Donc si tu veux, moi aussi je fais des prestations de recrutement où je vais recruter un community manager en CDI, en CDD, en freelance, etc., mais c'est vraiment important pour moi et dans le travail que je fais avec eux que tout le monde progresse, tu vois, sur le sujet des réseaux sociaux, que vraiment ils soient autonome, tu vois, au bout de 3-4 mois avec moi, et que ils puissent, tu vois, rouler, qu'ils aient une vision très claire. Ce qu'ils me disent en général, une fois qu'on a travaillé ensemble, c'est merci, j'ai une vision vraiment hyper claire de ce que je fais, je sais où je dois aller. Voilà, ça c'est mon objectif en fait. Aujourd'hui, quel est le niveau de connaissance des entreprises justement sur les KPI, les analytics? Par exemple, tu nous prenais le cas d'un grand groupe avec lequel tu as travaillé. Oui. Est-ce que ces grosses boîtes-là, elles ont pas déjà des outils en place? Parce que j'imagine qu'elles vont investir du temps ou de l'argent ou des ressources quelque part dans ces canaux d'acquisition-là. Et ils ont pas forcément mis en place les moyens qui permettent de mesurer le ROI de leur investissement. En fait, ils ont en général des outils, mais une des raisons pour laquelle moi je me suis lancée sur cette activité, c'est qu'ils ont des super outils, mais qu'ils les exploitent pas par manque de temps. Et puis aussi, parfois, c'est un peu technique, hein, c'est pas toujours forcément simple, il faut vraiment se plonger dedans, etc., pour avoir des choses intéressantes avec les outils. Et du coup, si tu veux, c'est plus simple pour eux de faire appel à quelqu'un qui va les aider à vraiment configurer, qui va aussi... les onboarder vraiment sur l'outil. Alors moi, je travaille en général avec les équipes qui gèrent les outils, si tu veux. Par exemple, quand je travaille avec Sprinklr, je vais travailler avec les équipes de Sprinklr. Mais les équipes de Sprinklr, c'est pas leur rôle de customiser à 100% l'outil. Ils vont juste faire des petits onboarding et un petit peu de training, mais c'est tout. Ils vont pas faire en sorte d'implémenter vraiment l'outil dans les organisations. Donc je fais beaucoup de l'intermédiaire, si tu veux, entre les outils et les dire market, etc., qui ont juste pas le temps en fait. Voilà, ils veulent en fait, si tu veux, par exemple, juste un export automatisé et qui peuvent envoyer tous les mois. Tu nous as parlé de Sprinklr. Alors je sais pas comment ça s'écrit. Tu peux Sprinklr. Sprinklr. Ouais. Ok. Sprinklr. Il y a d'autres outils que tu utilises aujourd'hui? Oui.
Oui, alors moi j'utilise beaucoup un outil qui s'appelle Amplify. C'est l'ancien Social Bakers, donc qui est un de mes outils préférés parce que alors il est un petit peu plus simple et il y a moins de fonctionnalités que Sprinklr, mais je trouve que du coup c'est plus simple à utiliser pour les boîtes en général et il y a quand même beaucoup beaucoup de choses. Tu peux créer des dashboards automatisés, t'as un système de création de calendrier de contenu, de planification, tu peux même faire de la modération, tu peux rechercher des influenceurs et tu débloques les fonctionnalités en fonction de ton budget. Donc ça, c'est un outil qui est super super intéressant, mais l'abonnement de base est à 200 euros par mois, donc c'est quand même des outils avancés. Sinon, si vous avez un petit peu moins de budget, il y a un outil que j'adore qui s'appelle Metricool, qui est beaucoup beaucoup moins cher, que c'est là c'est plus 200 euros mais l'année. Et ça permet quand même d'avoir des exports de ces données, de regarder un peu ces top posts et d'avoir tout sur une même page. Parce que, en fait, si tu veux, l'intérêt d'avoir un outil, c'est vraiment de gagner du temps et de pas aller avoir à chercher sur 3000 réseaux sociaux quelles sont tes stats. Et en fait, le problème, c'est que t'auras jamais un outil parfait avec toutes les stats que tu veux parce qu'il y a toujours un peu de données que tu peux pas récupérer pour X raisons, etc. Par exemple, sur LinkedIn, c'est assez compliqué de récupérer les données parce qu'ils ont une API qui est plus fermée. Mais le but, c'est d'avoir quelque chose qui est opérationnel. Et si tu as besoin d'aller chercher un truc qui est pas, eh bien, tu vas le voir. Mais tu as juste une donnée à récupérer et pas 3000 chaque mois. Voilà. Tu nous as parlé de plusieurs clients, notamment une marque de smartphones chinoise, c'est ça, je me trompe pas? Oui, c'est ça. Accor Hotel, donc ce sont des grands noms. On veut savoir comment trouves-tu tous ces clients? Alors, j'ai plusieurs sources. Alors, il faut savoir que quand j'ai démarré, j'avais déjà un réseau parce que je travaillais déjà depuis longtemps. D'ailleurs, c'est un conseil que je peux donner aux gens qui sont salariés. Si vous vous lancez en freelance, n'hésitez pas à prendre des cafés avec tout votre réseau. Moi, c'est la première chose que j'ai fait quand je me suis lancée en freelance. J'ai contacté mes anciens boss, des gens avec qui j'ai bossé, même des prestataires. Et si tu veux, ma première mission, elle m'a été donnée par un ancien prestataire. Donc, une boîte qui bossait pour moi quand j'étais chez Lagardère. Et en fait, il se trouve qu'ils avaient un gros gros besoin en social media et en analyse, donc on a travaillé comme ça. Après, pour moi, un gros apporteur d'affaires, c'est les agences, parce qu'en général, les agences social media, parce qu'elles n'ont pas mon expertise, donc c'est intéressant pour elles de travailler avec moi, parce que du coup, elles m'intègrent, si tu veux, dans le dispositif complet qu'elles proposent à leurs clients, mais moi, je garde quand même ma totale indépendance parce que c'est mon process, c'est mon service, c'est souvent même mes presse, etc. Et pour elles, c'est un gage de qualité aussi de faire appel à quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine et c'est quelque chose qu'elles peuvent aussi facturer plus cher, du coup. Et après, ma troisième source vraiment d'apport client, c'est mon réseau, mais si tu veux, de pair. Parce que c'est un milieu finalement, les consultants en stratégie social media, au final en France, on n'est pas si nombreux que ça à faire ce métier depuis longtemps. Donc on se connaît, je suis dans un collectif qui s'appelle Loukoum, où même on se regroupe, on se voit des missions entre nous, etc. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de missions qui me viennent comme ça en fait, parce que on est chacun spécialisé sur quelque chose et la spécialisation est vraiment importante dans notre métier. Et on s'envoie des missions en fonction de nos spécialisations, ce qui nous permet de ne pas être concurrents en fait. Quelles sont tes spécialisations à toi? Alors du coup moi je suis voilà, moi je suis vraiment spécialisée en analyse de données et en fait ce qui est assez sur les réseaux sociaux et ce qui en fait est assez rare, on est vraiment très très peu. Si tu veux, quand il y a une mission de ce type, il y a vraiment peu de profils en freelance, en indépendant qui sont seniors, sur lesquels les marques, les entreprises peuvent s'appuyer. Donc enfin, on reçoit pas tous les briefs, mais c'est vrai que ça va assez vite. Enfin, du coup, on est vraiment, vraiment peu nombreux. Super intéressant tout ça. C'est fou parce que je me serais attendu à ce que justement ce soit un métier qui soit en voie d'apparition parce que de la lecture que j'ai du marché actuel, et tu me corrigeras si je me trompe parce que je pense que tu le connais bien mieux que moi, c'est qu'aujourd'hui le marché des community managers, donc de toutes ces personnes qui vont gérer les réseaux sociaux, qui vont proposer de la création de contenu pour les marques, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus saturé. Par saturé, j'entends qu'il y a plus de personnes qui se forment que de postes disponibles.
Oui. Et que donc le niveau de différenciation qu'il faut est de plus en plus élevé, il faut être de plus en plus convaincant, etc. Et pour avoir discuté avec des community managers, j'ai l'impression que l'une des failles, en tout cas l'une des plus grosses objections des marques, moi je la vois arriver à grosse comme une maison, c'est t'es bien mignon avec tes idées de poste, etc. Mais comment est-ce que je sais que le ROI de cet investissement-là, il va être intéressant pour moi. Et j'ai pas l'impression que les community managers ont une bonne réponse, en tout cas ceux que j'ai croisés, à cette objection. Et surtout les nouveaux qui démarrent et qui sont là, ils disent bah oui, c'est super important la création de contenu. Mais évidemment que c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux. Oui, mais il faut quand même une stratégie, il faut quand même pouvoir mesurer quelque chose parce que si tu ne mesures pas, comment est-ce que tu sais que ça marche? Et du coup, j'aimerais avoir ta vision du marché aujourd'hui au sein des community managers. Est-ce que tu as l'impression que c'est un marché qui est saturé ou pas? Voilà. Moi, je pense pas du tout que ce soit saturé. Au contraire, parce que moi, je discute avec des entreprises tous les jours et souvent, tu vois, après mes audits, après mes prestations, il est question de voilà comment est-ce qu'on met en place la stratégie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du recrutement, tu vois. Mais en fait, on a du mal, voilà, en tant que recruteur, parce que je donne la position inverse, ou en tant que quand on cherche un freelance, à trouver quelqu'un qui nous convainque, pas seulement pour cette question de ROI, parce que justement, oui, effectivement, il faut savoir convaincre son client de ce qu'on fait, ça génère tel KPI, etc. Ça, c'est super important pour moi. Ça fait partie du toolkit du community manager. Mais le problème, si tu veux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent community manager. C'est quand même un métier. Et souvent, moi, ce que je remarque, c'est que c'est les offres qui sont proposées par les community managers freelance sont trop larges, en fait. Donc, c'est pas spécifique. Moi, quand je cherche un community manager, je vais chercher quelqu'un qui va connaître le secteur de mon client ou qui est spécialisé sur telle chose qui est intéressante pour nous. Par exemple, la vidéo ou par exemple TikTok. Donc pour moi, c'est un manque de spécialisation. Il y a trop de gens « couteau suisse » entre guillemets. Et aujourd'hui, sur le marché, c'est pas ce qui est recherché. On recherche des gens qui vont vraiment correspondre à un besoin. Tu vois, je te donne un exemple. J'ai donné une formation à des agents de services culturels. Donc pour là, c'était pour une institution publique. Et je cherchais un formateur spécialisé réseaux sociaux et culture. Donc donc je suis allée sur Twitter, etc. J'ai trouvé et elle a plu à mon client. C'est une fille d'ailleurs qui s'appelle Solveig. Coucou elle. Elle a plu à mon client parce qu'elle était vraiment spécialisée. Et c'est aussi comme ça que tu peux justifier tes prix parce que tu connais par cœur. Donc il va gagner du temps. Le brief, voilà, la période de brief, elle dure moins de temps. Donc pour moi, c'est pas du tout saturé. Il y a vraiment plein d'opportunités, mais il faut choisir un créneau et s'y tenir en fait. Quelles sont les opportunités que tu vois dans le marché? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus en demande que d'autres? Alors, en fait, en termes de secteurs, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de community management. Je sais qu'il y a beaucoup de besoins dans l'hôtellerie, dans la restauration suite au Covid. Donc, mais globalement, tous les secteurs ont besoin. Donc, pour les secteurs, il faut peut-être choisir des secteurs où on est à l'aise, où on a déjà un peu d'expérience, qu'on aime en fait, parce que ça c'est super. Enfin, c'est quand même voilà la base. Faut aimer ce qu'on fait, etc. Donc, choisir quelque chose qui nous plaît si on se spécialise par secteur. Après, on peut aussi se spécialiser par réseau social. Donc, par exemple, la TikTok. Toutes les marques vont se lancer cette année, celles qui ne sont pas déjà lancées. Donc moi, si j'étais un jeune community manager, si je me lançais, etc., je ferais une offre TikTok, par exemple, parce que ça cartonne. Ou Pinterest, parce que c'est assez spécialisé et c'est un réseau qui permet d'apporter beaucoup de trafic. Donc pour les gens qui cherchent le ROI, justement, c'est super intéressant. Donc j'essaierai d'être maligne et de proposer une offre vraiment spécifique, en fait, qui répond à un problème hyper clair. Je veux créer du trafic sur mon site, je veux être visible sur TikTok. Sur ces dernières années, est-ce que tu as pu identifier les points clés qui permettaient de générer du trafic grâce à la création de contenu? Et est-ce que tu peux nous donner un petit peu quels sont ces points clés-là? Est-ce que ce soit en termes de format, vidéo, écriture, podcast, etc., ou que ce soit en termes de fond, de contenu, est-ce que tu as remarqué des récurrences sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionnait pas? Oui, alors, en fait, ce qui fonctionne, déjà, un peu la règle, c'est de pas avoir une approche descendante par rapport au contenu
Et de vraiment essayer de se dire, voilà, je vais créer une communauté, en fait. D'avoir vraiment déjà l'ambition de créer une communauté avant même de se dire, je vais mettre en avant ma marque sur les réseaux sociaux. Et se dire, comment est-ce que, dès le début, je vais créer du lien. Donc, penser, en fait, dès le départ, dans sa création de contenu, des formats le plus interactifs possible, avoir un groupe de discussion quelque part, vraiment pense être vraiment drivé par ça en fait tout au long, être dans le partage et être dans une grande authenticité. Alors c'est pas toujours facile hein, pour les grandes marques etc. C'est vraiment un challenge. Donc travailler avec des influenceurs, ça peut être du coup une option pour justement se permettre d'être un peu plus authentique, être régulier. Donc ça c'est super important. Avec des rendez-vous. Donc, par exemple, le mardi, on fait ça, le mercredi, on fait ça. Vraiment, essayer de faire en sorte que les gens sachent, en fait, ce qu'ils vont retrouver chez vous, en fait. Et le dernier conseil, c'est voilà, d'avoir quelques thématiques, mais de pas partir non plus dans trop de directions différentes. Être vraiment se faire connaître de son public cible, parler des choses qui intéressent notre public cible et de faire un croisement, si tu veux, avec ce que tu veux proposer, ce que, sur quoi tu veux communiquer. Mais pas dans 10 000 directions, vraiment choisir un petit peu voilà, ce que tu veux faire. Donc un peu quelques conseils à la volée. Et puis tester, en fait. Enfin, c'est vrai qu'au début, c'est vrai que on n'a pas forcément des gros résultats tout de suite. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que les community managers doivent faire auprès de leurs clients, les rassurer, leur dire, voilà, c'est... La création de contenu, c'est un investissement. Donc, vous n'allez pas avoir 15 000 clients demain en commençant à poster. Souvent, il faut sponsoriser, donc faire des campagnes médias. Donc, moi, c'est aussi quelque chose que sur lequel j'interviens. C'est-à-dire, je propose des plans médias à mes clients s'ils veulent amplifier leurs résultats et mesurer leur ROI par rapport à cette amplification. Donc, il faut vraiment voilà se dire ça va être long terme et puis avoir une vision globale, pas seulement réseaux sociaux. Se dire voilà quel rôle les réseaux sociaux ils ont dans mon écosystème global. Est-ce que c'est par exemple un levier pour avoir des inscrits à newsletter? Est-ce que c'est un levier pour me faire connaître et ensuite les gens ils viennent me voir en boutique. Enfin voilà, il faut avoir un petit peu cette vision marketing quand on est sur les réseaux sociaux. Ok, donc vraiment. Avoir une vision du parcours client, finalement, qui va peut-être démarrer sur les réseaux sociaux et qui va finir en boutique ou va via un achat quelconque. C'est ça. Ok. Complètement. Si tu recommençais aujourd'hui de zéro, alors tu as commencé un petit peu à répondre à cette question, mais que tu avais aucun contact, comment est-ce que tu ferais pour trouver tes premiers clients? Alors, je pense que j'utiliserai les réseaux sociaux pour me faire connaître, mais au lieu de partir dans quelque chose de très large, si tu veux, j'essaierai d'être présente un peu partout et en étant nulle part à la fois, je choisirai un réseau. Je pense que LinkedIn, c'est un bon choix parce que on peut avoir des bons résultats en organique, on peut se faire connaître et en fonction de ta cible. Ça peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de décideurs quand même ou de décideuses ou de personnes qui ont les budgets. Donc ça c'est important. Moi je perdrais pas trop par exemple mon temps, sauf si vraiment j'ai une offre dédiée à ça, mais sur Instagram parce que je vois beaucoup de freelance sur Instagram et ils sont à l'aise sur Instagram et c'est bien etc. Mais objectivement de tous les résultats que j'ai pu constater, c'est pas là où on avait les meilleurs résultats en tout cas en B2B. Et donc choisir un réseau social et choisir une ligne édito. Et tous les jours, je donnerai par exemple un conseil sur par rapport à l'offre que je veux vendre. Et tous les jours, je publierai ou tous les 2-3 jours, vraiment hyper régulièrement. La qualité, je me focaliserai là-dessus. Et puis après, je discuterai avec les gens qui viennent discuter avec moi et je ferai comme ça en fait. Voilà, si j'avais pas de réseau. Est-ce que tu penses, et je vois de plus en plus cette tendance-là, des gens, notamment sur TikTok, qui vont créer du contenu dans une niche. Donc voilà, par exemple, je vais prendre un cas. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel PCR. Je sais pas si tu vois qui c'est. Élégance masculine, je crois que c'est son tag. Non. Il fait des petits TikTok sur la manière de s'habiller lorsqu'on est un homme, donc la mode masculine, grosso modo. Je pense que ça marche bien pour lui. En tout cas, je le suis sur LinkedIn et de ce qui transparaît, ça a l'air de bien marcher pour lui. Donc, il a cet aspect influenceur qui va attirer les marques.
mais il a aussi cette casquette marketing qui lui permet, je pense, de faire une analyse et je crois qu'il faisait beaucoup de vidéos justement, donc c'est sa spécialité. Donc d'aider les marques à se lancer sur TikTok. Est-ce que aujourd'hui, si tu devais te lancer, est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider de gagner en crédibilité, de toi-même créer du contenu, tu vois, dans ta thématique? Oui, complètement. Complètement. Je pense que montrer ce qu'on sait faire en se mettant en scène ou pas d'ailleurs, c'est super. C'est comme une sorte de portfolio si on est community manager, si on est créateur de contenu. Je pense que ça peut vraiment, vraiment beaucoup aider si on veut spécialiser sur TikTok. Après, ce qu'il faut quand même penser, et je pense que ça, on l'oublie beaucoup, c'est que les clients ne sont pas forcément sur TikTok. Donc, ils veulent aller sur TikTok, mais ils sont pas sur TikTok. C'est là où c'est un peu compliqué. C'est pour ça que LinkedIn, c'est pas mal. Même si on est spécialisé TikTok, parce qu'en fait, il faut vraiment penser à ça. Parce que le nombre de followers que vous avez, c'est pas du tout votre nombre de clients. On vient vous voir parce que justement, on n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que si j'ai un message à faire passer, c'est aussi, c'est bien de créer du contenu pour se faire connaître. Après, il faut voir aussi peut-être pour créer du contenu pédagogique et peut-être participer à des conférences, des choses comme ça. Et aussi faire attention à ne pas se focaliser en levier d'acquisition sur les réseaux sociaux à long terme et essayer un petit peu d'élargir, voilà, une fois qu'on s'est fait un peu connaître, d'élargir un petit peu ses horizons. Ok. Parce que moi, tu vois, récemment, j'ai eu un client pour un audit, etc. C'est un membre d'un COMEX, une banque. Et si tu veux, il ne va jamais sur les réseaux sociaux et il a besoin de moi pour lui dire comment il doit organiser son équipe. Et ça, c'est ça, faut l'avoir en tête. Quel est ton pire et ton meilleur souvenir depuis que tu es freelance? Ah, alors. Je réfléchis. Oui, le pire souvenir. Enfin, je sais pas si c'est un pire souvenir, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai commencé par des missions un petit peu longues, peut-être comme toi, tu peux faire dans le développement, parce que c'est vrai que quand tu mets en place des systèmes de mesure de performance, ça peut prendre du temps. Et le problème, c'est qu'au début, je débutais beaucoup par des très grosses missions qui me prenaient énormément de temps et j'avais pas le temps de développer, etc. Et je pense que ça a été un moment assez compliqué pour moi, ce moment où je me suis rendu compte que je voulais pas être trop dans une boîte parce qu'il fallait que je développe ma propre activité, la partie formation. Mais qu'en même temps, si je voulais bien faire mon travail, ça nécessite du temps et tout ça. Donc, il a fallu que je me réinvente et que je trouve un moyen de le faire qui, aussi en déléguant, etc., parfois avec un autre consultant pour pouvoir me permettre de faire d'autres choses et pas d'être full time sur mon client. Alors même que, tu vois, ça me plaisait intellectuellement ce qu'on faisait. Donc ça a été un moment difficile parce que je pensais avoir trouvé un équilibre et en fait je me suis dit en fait ça me convient pas, tu vois, j'ai pas envie de continuer comme ça. Et le meilleur souvenir ça a été quand j'ai commencé à organiser mes premières formations. Donc j'ai organisé une série de workshops dans un coworking qui s'appelle La Patronnerie à Paris, et c'était des tout petits ateliers et tout, mais c'était un peu les premiers moments où je faisais vraiment de la formation avec mon organisme, et c'était chouette de pouvoir partager, tu vois, même si j'adore travailler avec mes clients, grands comptes et tout, mais tu vois, de partager à des entrepreneuses, ou avec d'autres types de publics, tu vois, d'élargir, d'ouvrir. Et je me suis rendu compte que je pouvais avoir beaucoup, beaucoup d'impact, en fait. Donc ça, c'était chouette. Alors, avant qu'on embraye sur la formation, parce que j'ai quelques questions, j'aimerais revenir en arrière. Je suis curieux d'en savoir un peu plus sur ton process, justement, de délégation de tâches, de comment tu t'organises, quelles sont les tâches que tu délègues, comment est-ce que tu calcules la marge que tu vas faire, parce que il faut bien que tu marges, parce que ça va te prendre quand même du temps, j'imagine, de t'assurer que le travail est bien fait, etc., et de manager la personne, la relation client. Donc, j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que tu as développé cet aspect de ton business. Alors, moi, si tu veux, je vends
une prestation globale avec des choses dedans. Et déjà, quand ils me demandent quelque chose qui est pas dans mes codes ou que je veux pas faire pour plein de raisons, par exemple les campagnes ads, je sais le faire, mais je le propose pas à mes clients parce que ça prend énormément de temps et je peux pas tout faire, etc. Donc ça, je le délègue déjà. Quand ils le veulent, je le délègue. Moi, je travaille sur le plan média, sur qu'est-ce qu'on va faire, la stratégie, etc. Mais vraiment sur la mise en place, je le délègue à une personne voilà que j'ai formée parce qu'elle est dans mon équipe quand je travaillais pour le groupe M6 et entre-temps elle est devenue indépendante, donc trop cool. Et du coup, on travaille régulièrement ensemble. En termes de marge, en général, sur juste la prestation que lui vend, en général, c'est, je prends 30% en général, quelque chose comme ça. Mais si tu veux... ça peut arriver que ce soit que je prenne moins quand moi, si tu veux, j'ai vendu d'autres choses à part et que je vais pas trop intervenir sur ça et que si tu veux, je m'y retrouve au global parce que j'ai un gros projet avec le client. Ça dépend un petit peu de la place que ça prend, si tu veux, dans le dispositif, parce que moi, mon intérêt, c'est que la personne qui fasse la presta soit le mieux payée possible pour que ce soit qu'il ait pas du temps, que ça délivre, qu'il soit content et que voilà. Donc, et puis ça dépend un petit peu aussi de... Et sur la délégation, quand il faut du community management, là, c'est pas quelqu'un de spécial que j'ai avec moi tout le temps, etc. Je vais vraiment chercher la bonne personne. Donc moi, je vais passer du temps à chercher la bonne personne. Et du coup, c'est une prestation que je vends parce que c'est de la recherche de profil. Parfois aussi, je passe par le réseau Loukoum. Donc, où on fait aussi du recrutement parce que ça prend du temps, le recrutement. Donc, je n'ai pas forcément le temps, etc. Et ça m'est arrivé aussi de m'associer à plusieurs reprises quand en fait le projet était très éditorial, qui m'intéressait quand même, tu vois, parce que moi je suis très data, mais j'aimais bien aussi le côté très éditorial. Donc je travaille avec Adrien Joly, qui est un consultant réseaux sociaux mais axé éditorial. Et là on est c'est pas de la délégation, on est vraiment partenaire. Et là on va déléguer de la création de contenu. Donc si tu vois, j'ai un cadre. Je fais un certain nombre de choses selon le temps que j'ai. Parfois, je vais déléguer des parties plus ou moins importantes. Et puis, en fonction aussi de la valeur que je vais apporter, tu vois. Parce que ça m'arrive d'avoir des audits qui sont vraiment hyper simples à faire et il n'y a pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je vais passer plus de temps sur la partie recommandation. Donc, je vais pouvoir déléguer la partie audit parce que si tu veux, comme il se passe pas grand chose, de toute façon, la valeur ajoutée, elle sera plus sur la reco. Dans le cadre du recrutement, comment est-ce que et combien est-ce que tu factures cette prestation pour trouver la bonne personne? Alors, ça dépend si c'est un freelance ou si c'est ou si c'est un CDI, mais c'est entre 2000, 4000 euros, quelque chose comme ça. Ça dépend à peu près du nombre de profils, mais c'est dans ces montants-là. Voilà. Après, moi, tu sais, j'ai mon réseau. Donc, ça dépend aussi de la difficulté du profil à trouver. Mais voilà, globalement, c'est ça. C'est ça. Et puis, parfois, je poste des annonces sur LinkedIn aussi. Et après, moi, ma valeur ajoutée, elle va être sélectionner les personnes et les tester. Comment est-ce que tu fais ça? Et imaginons qu'on est en entretien tous les deux. Ouais. Comment ouais. est-ce que tu vas savoir que, un, je suis la bonne personne? Ouais. Quelles sont les questions que tu vas te poser en tant que recruteuse? En fait, moi, déjà, avant de te parler, je vais vachement regarder ta présence en ligne, tu vois, si tu fais du contenu, si t'es reconnue quand même, parce qu'on est quand même, quand tu travailles dans la communication digitale, c'est quand même important, si t'as pas un site, mais au moins d'avoir un LinkedIn bien rempli, des choses, quoi. Je vais enquêter un petit peu. C'est mon côté analyste. Puis après, quand je vais être face à toi, en fait, si tu veux, je vais m'assurer déjà que techniquement, par rapport au poste, parce que ça dépend des postes, mais tu es capable. Donc, je vais te poser des questions techniques et voir comment tu réagis, me définir telle ou telle notion, par exemple, que tu peux pas connaître, en fait, si tu le fais pas. Ça marche bien. Tu vois, par exemple, là, je recherche quelqu'un pour gérer un back-office YouTube. Il y a beaucoup de chaînes, etc. Et ce qui est important, c'est de maîtriser le content ID sur YouTube, donc le fait de protéger le contenu. Donc, je veux dire, comment tu fais, en fait, pour mettre en place le content ID sur ta chaîne? Tu as des questions vraiment techniques. Et puis après, il y a aussi... je vais aussi lui poser des questions un peu plus stratégiques. Donc, lui dire, par exemple, voilà, comment tu...
comment tu mesures ce que tu fais, qu'est-ce que tu regardes, et puis aussi lui demander un petit peu quelles sont ses idées sur ce que devrait faire le client, voir s'il est aussi force de proposition. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont pas que exécutants et qui vont vraiment pouvoir aussi un petit peu accompagner le client sur la stratégie à adopter. Après, parce que comme ma prestation, elle s'étale pas indéfiniment dans le temps, il faut que la personne, elle soit capable de bien prendre le relais par rapport à moi. Ok. Parlons maintenant de la partie formation. Aujourd'hui, donc tu développes une activité de formation. Tu nous as dit ça représente 50% de mon chiffre d'affaires et j'aimerais l'amener à 80% d'ici la fin de l'année. À qui s'adressent ces formations et quel est le contenu de cette formation finalement? Alors, j'ai une partie de mes formations qui s'adresse à mes clients entreprises, donc mes clients grands comptes, start-up, etc. Si tu veux, moi je leur expliquais que j'allais faire moins de consulting, mais qu'on pouvait continuer à travailler ensemble, former les équipes, etc. Donc j'ai switché un peu comme ça, parce que j'avais la chance d'avoir des gens qui aimaient bien travailler ensemble. Donc j'ai commencé comme ça, je vais continuer parce que si tu veux, j'ai des programmes, par exemple j'ai un programme LinkedIn, voilà, qui fonctionne bien, que j'adapte, que je co-construis aussi avec mes clients, et j'aime bien cet exercice intellectuel, ça me plaît, etc. Après, j'ai des formations pour les particuliers, stratégie réseaux sociaux, qui sont un petit peu plus ouvertes et qui permettent, tu vois, via le CPF, via Pôle emploi, etc., de financer. Et tu vois, pour des petits créateurs d'entreprise, ça leur permet, voilà, de mettre en place leur stratégie. Et de passer du temps avec moi. Donc ça, c'est parce que j'essaie quand même d'avoir cette approche conseil dans la formation. Et j'ai lancé l'année dernière des premières formations en blended learning. Donc c'est des formations en ligne, mais avec un accompagnement de ma part, qui ont commencé à bien marcher. Et je pense que c'est l'offre que j'aime le plus dans ce que je fais. Et du coup, cette année, j'ai décidé de lancer un plus gros programme avec un plus d'ambition, plus d'investissement, qui s'appelle Social Media Expert, pour les community managers, justement, qui veulent développer leur activité, vendre des offres plus premium, et voilà, pouvoir être plus libre aussi, faire exactement ce qu'ils veulent, mais dans un cadre qui est hyper précis, avec une méthode qui est complète. Quel est le panier moyen, le prix moyen de chacune de ces offres? De mes offres de formation? Oui. Ouais, alors c'est en général autour de, si on parle hors taxe, 1900 euros à peu près. Que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises? Non, ça c'est pour les particuliers. Ok. Je fais des formations qui sont volontairement pour les particuliers, même qui sont, si tu veux, je fais pas de low cost. Enfin, j'ai des toutes petites offres, etc., mais très peu parce que, pour moi, c'est vraiment important que tu vois qu'ils aient de la qualité, que je puisse y passer du temps, et du coup, voilà. Mais bon, après les prestations, on m'a jamais dit c'était trop cher, donc c'est bon signe. En général, c'est plutôt l'inverse. Et après, pour les entreprises, c'est autour de ça dépend un petit peu de combien de sessions on fait, mais ça va de 4 000 à 20 000. Ça dépend un petit peu de si c'est juste un one shot ou si c'est tout l'année. Est-ce que ça dépend aussi du nombre de personnes que tu vas former au sein de l'entreprise? Est-ce que tu as juste le tout prix? À fait. Ouais, tout à fait. C'est parce qu'il y a des prix par participant. Après, s'il y a vraiment beaucoup de participants, on adapte, hein, parce que évidemment, si tu es 20 fois, si ça coûte par exemple 1000 euros pour 2 jours, si c'est 20 fois, après ça fait des montants qui sont pas cohérents, si tu veux, par rapport au travail que j'ai à faire, etc. On adapte, mais globalement, oui, c'est par participant. Et sachant que moi, je dis quand même toujours à mes clients, voilà, ne mettez pas trop de monde, parce que voilà, si on veut vraiment progresser, si on veut vraiment monter, il faut que ça se passe bien. Et c'est pour ça que, si tu veux, je me permets de faire un pricing élevé, et encore, je trouve que ça reste raisonnable par rapport à ce que je vois sur le marché, parce que justement, on est un petit groupe et que on va vraiment travailler chacun individuellement les besoins, etc. Moi, je vais donner mon approche de consultante. Je suis pas juste formatrice et je répète toujours la même chose, etc. Mon savoir, il est updaté en permanence parce que j'analyse sur les comptes de mes clients. Donc, ça coûterait. Tu prendrais combien de personnes sur une session de 2 jours typiquement? Je vais en prendre 4, 5, tu vois.
Ouais. Ok, donc c'est plus rémunérateur Ouais. finalement pour toi aujourd'hui de travailler avec des grands groupes, des grosses entreprises sur la formation que de travailler avec des particuliers? Oui, complètement. Complètement, parce que pour l'instant, je fais pas encore de gros volumes sur les particuliers. Mais après, c'est aussi lié au fait que quand tu fais de la formation pour les particuliers, bah, tu dois faire énormément de marketing par rapport à ça. Et moi, c'est Je suis pas bien au encore des choses courant. que j'ai mises en place parce que j'avais pas besoin, tu vois. Donc, mais c'est prévu. Voilà. Ouais. Okay. Donc, j'imagine que tu as un organisme de formation à l'heure actuelle et que tu as dû passer toutes les certifications Oui. comme Datadoc et Calliope. Oui, tout à fait. Donc, mon organisme est référencé, était référencé sur Datadog, sur Calliope. J'ai aussi le label CNEFOP, donc il y a un label qui, en fait, qui permet d'auditer. Enfin, je suis auditée tous les ans par un institut qui s'appelle l'ICPF, qui regarde en fait si mes formations sont bien les formations d'une personne qui est consultante formatrice. C'est-à-dire qu'ils vont aussi regarder mes activités de consultante. Ils vont regarder mes contrats avec les boîtes, ils vont envoyer des mails à mes clients pour voir si ce que je fais c'est bien, etc. Mais si tu veux, c'est un label qui permet aussi de dire voilà, c'est de la qualité. Et en fait, si tu veux Pôle Emploi, par exemple, il me met en avant par rapport à ça parce que j'ai ce label-là. Donc pour moi, c'est très très important d'avoir les labels, les certifications. Parce que dans mon domaine, justement, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent, formateurs, consultants, réseaux sociaux, etc. Et bon, moi, j'ai quand même 10 ans d'expérience là-dedans. Et en fait, si tu veux, pour moi, un bon formateur, c'est pas quelqu'un qui a 10 000 followers, c'est quelqu'un qui apporte des résultats à ses clients. Enfin, c'est ça qui est le plus important. Du coup, je veux vraiment montrer que c'est ça ma démarche et pas moi-même de devenir une influenceuse, etc. Parce que c'est pas le but, en fait. Enfin... Donc, ce label CNEFOP, je le prononce Oui. bien, ouais, c'est ça. Oui. C'est une source d'acquisition pour toi au niveau de Pôle emploi. Oui, J'ai c'est bien ça. compris. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Parce que du coup, si tu veux, Pôle emploi, ça les rassure parce qu'ils savent que c'est un professionnel qui est agréé en fait. Si tu veux, c'est comme un agrément dans le monde de la formation. C'est très surveillé, un petit peu comme Calliope, tu vois. C'est vraiment surveillé. On vérifie que voilà, tes activités, elles sont bien bien organisées. Ils vont vraiment vraiment dans le détail. Je dois envoyer tous mes livrables de forme de conseils, etc. D'accord. Sur ces 50% du coût de formation, ça se Oui. découpe comment aujourd'hui par rapport aux particuliers versus entreprises? Ça se découpe comment? Bah aujourd'hui, je pense que je dois être à 70% au niveau du chiffre d'affaires entreprise et 30%, mais même pas, hein, je recalcule, mais particulier. Pour l'instant, c'est tout petit. Enfin, dans mon activité, c'est tout petit, les particuliers. C'est justement, c'est cette partie-là que je veux faire grossir cette année. Parce que c'est tout petit et elle me... Mais c'est aussi, tu vois, c'est quand tu commences à faire ça, bah après, tu peux plus faire du consulting, tu peux plus... Voilà, donc c'est des choix aussi à opérer, tu vois. C'est un changement après de positionnement, en fait. Et moi, je veux faire les choses petit à petit. J'ai pas d'intérêt à envoyer valser tout ce que j'ai fait et qui marche bien, donc je fais petit à petit. Quelles sont tes stratégies pour développer l'activité commerciale de formation pour les particuliers? Alors du coup, mes stratégies, c'est de développer voilà mon contenu. Donc je développe par exemple j'ai une newsletter que j'envoie à mes clients et j'en écris même plusieurs. Là j'en écris une deuxième. Donc ça marche bien parce que ça permet vraiment de rester à l'esprit des gens, etc. C'est vraiment une bonne pratique, je trouve, même quand on est juste consultant, pas forcément formateur. Je fais des publicités Facebook de temps en temps. Là je vais en faire un peu plus. J'ai fait des publicités Google, je vais en refaire, donc voilà, je fais de l'acquisition, puis j'en parle, voilà, je continue à en parler, je le place dès que je discute avec mes clients, etc. En fait, l'important, c'est que les gens, par exemple, voilà, pour les entreprises qui sachent que tu fais ça, et après, quand ils ont besoin, ils viennent te voir, et après, pour les particuliers, être visible, en fait, mais être visible auprès des bonnes personnes, donc selon les formations. Je vais pas vraiment faire mon marketing de la même manière.
Donc, newsletter, tu nous as parlé d'acquisition payante via de la publicité, donc. Oui. Donc, imaginons que je tombe sur ta publicité sur Facebook. À quoi elle va ressembler et vers quoi vas-tu m'amener une fois que je vais cliquer sur un lien, j'imagine, qui sera présent dans ta publicité? Alors, soit j'ai plusieurs types, soit j'ai des publicités avec ce qu'on appelle des lead magnets, donc tu dois te connaître, mais qui sont des ressources à télécharger. Donc, soit voilà, moi je vais juste récupérer ton email et puis après, ben voilà, tu vas rentrer dans ma base de données et puis je vais pouvoir t'envoyer des informations, des ressources, et puis on va créer un lien, et puis petit à petit, ce qu'on appelle du trafic froid, en fait. Donc, je vais faire ça comme ça. Soit je vais faire juste voilà de la visibilité. Tu vois, j'ai un post, quand je vois que j'ai un post qui marche bien, même sur Instagram, etc., tu vois, je vais le booster, je vais le sponsoriser pour qu'il soit plus visible. Et ça va permettre aux gens, tu vois, de potentiellement s'abonner ou commencer à regarder mon contenu, etc. Après, ça permet aussi de créer des bassins d'audience après que tu peux recycler et que tu peux envoyer après directement sur une page de réservation pour un appel découvert de la formation, par exemple. Donc, il y a un peu plusieurs techniques. Là, je vais en lancer des nouvelles. Donc, je fais beaucoup de tests, tu vois, je regarde, en fait, dans tout ce que je fais, j'analyse toujours ce que je fais et je regarde qu'est-ce qui marche le mieux. Et dès que je vois qu'il y a un truc qui marche bien, je me focalise un petit peu là-dessus. Et ce qui a marché mieux jusqu'à présent, c'est tu récupères un email via un lead magnet et tu envoies des informations via la newsletter, c'est ça? Ouais. Et c'est ça. À quel moment est-ce que tu vas proposer un call? Est-ce que dans chaque email, typiquement, tu vas proposer un lien, tu vas dire, moi par exemple, si je prends mon cas dans ma newsletter, j'envoie 32 emails quand les gens s'inscrivent, donc un par jour. Et à la fin de chaque email, j'ai une bande avec écrit « Le saviez-vous ? Je propose une formation éligible à des financements, blablabla, réservez un rendez-vous, regardez comment ça marche le financement. » Donc ça, c'est une des stratégies que j'utilise. Ouais. Comment est-ce que toi, tu amènes ces gens-là qui sont des leads à la base froide, qui se sont inscrits dans ta newsletter, qui rentrent dans ton site, vers un appel payant ? Enfin, pardon, un appel pour ta formation. En fait, ce que je fais, c'est que dans mes newsletters, mais pas dans toutes, je mets des liens vers... je présente mes formations. Et en fait, les gens qui ont cliqué sur les formations, donc qui sont intéressés, ça leur renvoie un email où ils peuvent, ils ont plus d'infos et ils peuvent prendre rendez-vous. Donc, c'est assez simple. Enfin, je fais pas quelque chose de très très compliqué, mais du coup ça fonctionne. Et puis après il y a des gens qui me répondent directement, en fait, qui s'inscrivent, etc. Tu vois, j'essaye de vraiment segmenter, en fait, à chaque fois. J'ai pas envie de spammer tout le monde avec mais il faut quand même qu'ils découvrent comment ils peuvent te contacter. Donc moi j'essaie de trouver le bon équilibre. Mais là, si tu veux, là ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de même plus segmenter dans mes offres de formation, dans ce que je propose. Donc, tu vois, là, d'avoir une offre vraiment pour les community managers, parce que je me suis rendu compte que c'était des gens qui s'inscrivaient à mes formations en ligne sur la partie stratégie réseaux sociaux, etc., parce qu'ils voulaient, faire comme moi et vendre des prestations plus chères, etc. Donc, je me suis dit, je vais créer une offre pour eux, parce qu'en fait, c'est vraiment ces gens-là qui sont intéressés par ce que je fais et du coup, créer quelque chose qui leur corresponde à 100%. Et je pense que je vais vraiment aller dans cette direction-là, vraiment segmenter mon œuvre, segmenter mon marketing, être plus précise dans ce que je fais. Plutôt que de chercher à être présent partout, à raconter partout ce que tu fais, etc., ce qui peut être une bonne stratégie quand t'as une offre très large, mais c'est pas la stratégie que je vais adopter. Voilà. Très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, du coup, vous pouvez me retrouver dans ma newsletter. On pourra peut-être mettre le lien si vous avez envie de vous abonner, de recevoir un petit peu des ressources sur les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Emmanuelle Patry, et sur Instagram, le Social Media Lab. Voilà. On mettra, bien entendu, tous les liens en description si Super, vous voulez aller. Super, merci beaucoup. Jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Emmanuelle. Ben, merci. Merci à toi pour l'invitation et bravo pour le super contenu que tu fais. Moi, j'adore tout ce que tu fais sur la négociation. Je trouve que c'est tellement important. Et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de Lilian sur la négociation parce que c'est top. Et il y a peu de contenu, en fait, pour les freelances aussi pointus, en fait, sur le sujet en France. Donc, merci à toi. Merci.